à Kylian Mbappé, sorti encore en cours du jeu lors du classique et visiblement agacé. Depuis que son départ à la fin de la saison a été annoncé, il ne fait quasiment plus des matchs entiers en championnat. Cette gestion des temps de jeu est-elle un problème? C'est une question que Charlie Grégoire soumet à votre appréciation. Ah, la question est posée, hein. Elle fait le tour des réseaux sociaux, hein, depuis cette sortie et cette image qu'on a vue à Mbappé qui enlève son brassard. En tout cas, c'est une image qui a fait le tour, qui a fait la une même des journaux. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, le Parisien, parce que c'est un club que vous aimez bien? Non, moi, ça me fait doucement rire. Ça me fait doucement rire parce que si ça avait été un autre joueur, avec un autre caractère, avec un autre mental, avec d'autres ambitions, ça aurait pu poser problème. Mais Mbappé, c'est... Il sait faire la part des choses ? C'est pas qu'il sait faire la part des choses, c'est que c'est un compétiteur. C'est un compétiteur dans l'âme, c'est quelqu'un qui a envie de gagner. Et sa mission première, cette saison, c'est la Ligue des Champions. C'est pas le championnat, c'est pas de jouer le 90 minutes contre Marseille. C'est la Ligue des Champions. Et en Ligue des Champions, il est titulaire. Il n'est pas sorti à la 70e minute. Il n'avait pas envisagé. Non, il n'avait pas envisagé. Mais après, il n'avait pas toutes les cartes dans les mains. Il ne peut pas avoir toutes les cartes entre les mains non plus. En tout cas, il les a plus. Il n'a plus les cartes entre les mains. Ouais. Et ce qui est sûr, c'est que pour moi, en tout cas, s'il n'y avait pas d'informations claires là-dessus, s'il n'y avait pas de communication, ça aurait été peut-être un problème parce qu'on serait dans l'énigme, on se poserait des questions. Mais aujourd'hui, les choses, elles sont claires. L'entraîneur, il a dit clairement le pourquoi il le fait sortir à certains matchs, pourquoi il ne le fait pas jouer, il l'a dit clairement. Donc à partir du moment où il y a une communication, il a dit qu'il prépare sa saison prochaine. Il dit que l'équipe doit apprendre à jouer sans Mbappé. Ah oui, ouais. C'est marrant parce que la moitié de l'équipe, elle va changer la saison prochaine. Il doit connaître les mecs qui vont arriver. Non, mais c'est de la politique. Il n'a pas fait avant son histoire de contrat. Pourquoi dans ces cas-là, parce que là, il montre les muscles pour aussi asseoir son autorité. Donc c'est une façon de se servir de Mbappé pour asseoir quelque chose. Parce qu'on a critiqué les anciens entraîneurs du Paris Saint-Germain de ne pas trancher, de ne pas être de ne pas transiger sur des décisions comme ça face aux stars. Est-ce que lui, il est en train de se servir du fait qu'on sait que Mbappé part asseoir son autorité? Ouais, non, mais moi déjà, je dois dire que j'aime bien son côté où il cherche, comme hier, il met Hakimi très haut, il cherche un peu toujours. Laboratoire, laboratoire pour gêner l'équipe adverse. Ça, je peux dire que c'est un entraîneur qui me plaît bien. Mais je trouve qu'il est particulièrement injuste dans le traitement qu'il a avec Kylian Mbappé. Dans cette gestion-là. Ouais, dans cette gestion-là, parce que soit tu le fais au début de saison parce que tu n'es pas satisfait de ce qu'il fait dans ses replacements défensifs et tu le sors, mais tu ne le sors pas maintenant que tu es dans la facilité en te disant... Que je prépare la saison prochaine. Oui, au motif que je prépare la saison prochaine. Sportif, et moi, ce que je pense, honnêtement, je le pensais depuis le début, je pense que Luis Enrique reconnaît le talent indéniable de Mbappé, mais il n'est pas fan de son jeu. C'est-à-dire, il est fan du jeu de... Comment il s'appelle? De Dembélé. Voilà. Qui rentre à l'intérieur, qui part... Kylian Mbappé, c'est un joueur hors norme qui joue d'une façon différente. C'est comme Messi, il préférait Dembélé à Mbappé. Il l'a accepté pendant un certain temps. Maintenant, il se dit, il part l'an prochain, j'ai les mains libres. Ouais. Et en plus, là où c'est terrible, c'est qu'il sait que Mbappé, il va faire la gueule, il va crier, mais il va continuer à s'accrocher parce qu'il y a la carotte Ligue des Champions. Donc, il est dans le confort absolu sur ce coup-là, Luis Enrique. Et donc, ça ne risque pas d'avoir des répercussions parce que c'est un joueur qui a d'autres objectifs, qui veut à tout prix aller chercher cette Ligue des Champions. Mais est-ce que vous reprenez ces mots, la gestion, elle est injuste? Oui, moi, effectivement, elle est injuste, c'est le timing. C'est le timing parce qu'il aurait pu l'expliquer autrement. On rentre quand même dans une partie de la saison qui est importante pour les joueurs. Mbappé joue énormément. Peut-être pour essayer de faire en sorte qu'il ne soit pas trop fatigué, de contrôler un peu, ses dépenses énergétiques par rapport aux échéances qui arrivent, la Ligue des Champions. Mmh. On sait que Paris court après cela. Il aurait pu le présenter comme ça. Donc c'est le timing que je déplore et forcé de constater que ça cache autre chose. Ce que ça cache, c'est un peu, je rejoins là-dessus Samuel. Il y a eu beaucoup de déclarations en début de saison, le fait de le changer de poste aussi, etc. Où je pense que le jeu, propre de Kylian ne satisfait pas totalement. Regardez le temps des jeux de Kylian Mbappé en Ligue 1, en championnat, depuis qu'on sait qu'il part. Il n'a joué qu'un seul match en entier, c'était contre Montpellier. Serge, est-ce que vous connaissez un autre grand joueur du niveau de Kylian Mbappé qui joue aussi peu en championnat? Non, et qu'on sort aussi facilement? Il n'y en a pas, mais de toute façon, depuis pas que cette saison, depuis des années, la situation de Mbappé, elle est hors norme, à tous les niveaux. Oui. C'est-à-dire qu'il vit des choses et il fait des choses que les autres ne font pas. Donc c'est en corrélation directe avec le joueur qu'il est. C'est-à-dire que c'est un joueur qui provoque ce genre de situation. Maintenant, je rejoins Sam sur le fait que la décision, elle est injuste.
Après, Guy, il a parlé d'un aspect super important, la gestion du joueur par rapport à la fin de saison. Quand on remarque un petit peu, je suis sûr que si vous reprenez le temps de jeu de Dembélé sur les mêmes matchs, ça va à peu près correspondre. Souvent, Dembélé sort. Sauf que Dembélé sort souvent, c'est pas Mbappé. Non, mais il sort souvent en même temps que Mbappé. Sauf que Dembélé n'a pas le statut de Mbappé. Voilà. Non, je suis d'accord, mais. Je veux dire, c'est sur Laurent. Mais je pense que derrière tout ça, effectivement, il y a le côté, la saison prochaine, il va peut-être partir. Donc il y a une réflexion sportive, c'est ce que vous voulez dire. Je pense qu'il y a une réflexion sportive, parce que ces joueurs-là, c'est eux qui vont faire la différence dans les grands matchs, dans les derniers matchs qui arrivent. Et donc le fait de les faire souffler un petit peu, parce qu'il n'est pas bête, le petit Enrique. Il en a besoin de souffler. Lui, il n'en a pas besoin, mais le coach, lui, il défend pas. Il voit beaucoup plus loin. Ils sont en avance en championnat. C'est pratiquement déjà scellé. Kylian Mbappé est sorti à la 67e minute. Est-ce que Luis Enrique manage bien Kylian Mbappé? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du management de Luis Enrique. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, nous, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne si c'est pour ne pas partir. Alors, Kylian Mbappé, est-ce que Luis Enrique manage bien Kylian Mbappé, les amis? Moi, je pense que Luis Enrique est dans un processus de groupe. Luis Enrique est dans un processus de résultat. Comme Luis Enrique fonctionne, c'est exactement de la même façon que Pep Guardiola fonctionne. C'est pour cela que Pep Guardiola a des résultats avec Manchester City, parce qu'il fait beaucoup tourner. Il concerne tout le monde dans le projet. Tout le monde se sent concerné. Tout le monde se sent utile. Tout le monde se sent utile. Lorsque dans un projet, tout le monde se sent concerné, tout le monde se sent utile, notamment dans toutes les compétitions, les résultats arrivent. Les résultats arrivent. Donc, Luis Enrique est en train de vouloir concerner tout le monde parce que le PSG est encore dans toutes les compétitions. En Ligue 1, c'est quasiment plié. En Coupe de France, ils vont jouer la finale contre Lyon. Ils vont jouer les quarts de finale de LDC contre le FC Barcelone. Et ils avaient un match contre Clermont Foot qu'ils ont déjà fait 1-1. Ils ont fait 1-1 contre Clermont Foot avec une équipe largement remaniée. Luis Enrique a fait tourner. Il a mis les Mouki, les Bref. Il a mis les Tenaces. Il a mis Tenaces au goal. Donnarumma n'a pas joué. Donnarumma n'a pas joué. Même Tenaces a joué. Ça prouve à quel point Luis Enrique donne du temps déjà à tout le monde. Luis Enrique a envie de concerner tout le monde dans le projet. Ce n'est pas seulement un problème Kylian Mbappé. Ça concerne tout le monde. Ousmane Dembélé n'a pas commencé ce match. Il n'est même pas entré. Vitinha n'a pas commencé le match. Linkangui n'a pas commencé le match. Plusieurs joueurs, 4, n'ont pas commencé le match. Ce n'est pas seulement une affaire de Kylian Mbappé. Et il s'est dit même que le groupe vit bien. Que le groupe du PSG vit bien. Parce qu'il y a des résultats. Lorsqu'il y a des résultats, c'est plus facile pour un entraîneur d'imposer ses choix. Puisque les choses marchent comme sur des roulettes. Lorsque des choses marchent, c'est plus facile pour l'entraîneur d'imposer ses idées. Puisque les joueurs vont adhérer. Les joueurs vont se dire, ok, ces idées marquent, suivons-le. Et on va suivre le coach. Donc, il s'est dit que Luis Enrique est aimé dans le vestiaire. Que les joueurs peuvent mourir pour lui. Que les joueurs adhèrent à sa philosophie de jeu. Parce qu'il a des résultats. Tous ceux qui critiquent Luis Enrique, moi je ne comprends pas. Moi je ne comprends pas. Le mec est encore dans tous les tableaux. Pourquoi critiquer Luis Enrique? Pourquoi critiquer Luis Enrique? Et à chaque fois qu'il fait un résultat, à chaque fois qu'il fait un turnover, ou bien à chaque fois qu'il enlève Kylian Mbappé, les résultats lui donnent raison. Les résultats lui donnent raison. Récemment, il a enlevé Kylian Mbappé pour mettre Gonçalo Ramos. Gonçalo Ramos a marqué. Gonçalo Ramos a marqué. Il y a encore un autre match où il avait toujours enlevé Kylian Mbappé pour mettre ce même Gonçalo Ramos. Gonçalo Ramos avait marqué. Donc à chaque fois qu'il fait son remplacement, c'est payant. C'est payant. Donc moi, je ne vois pas en quoi Luis Enrique n'aime pas Kylian Mbappé. Luis Enrique est juste dans un projet sportif cohérent. Luis Enrique, son ambition, c'est de remporter
tous les titres avec le PSG. Son ambition, c'est de remporter tous les titres. Est-ce qu'il va y parvenir? Je ne sais pas, mais il a l'ambition, il a l'état d'esprit d'un coach qui veut tout remporter. Et ça, c'est très, très bien. C'est très, très bien. Donc, moi, je pense que Lucien Riquet, les amis, il manage bien Kylian Mbappé. Kylian Mbappé aussi doit être dans la rotation pour donner du temps de jeu aussi à certains joueurs qui jouent très peu. Donc, moi, je trouve que c'est plutôt logique de la part de Lucien Riquet. Après, partage-moi ton ressenti en commentaire sur la thématique. Est-ce que tu penses que la gestion de Kylian Mbappé, est-ce que tu penses que Lucien Riquet gère mal Kylian Mbappé? Donne-moi ton ressenti en commentaire. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Ce soir, on se dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.